Bonjour, coucou à tous, c'est Mio Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale, annonce, enfin bref, tout ce que tu veux. Il est 23h51, faut que je sorte la vidéo avant demain, donc je la sortirai demain. Donc une vidéo pour vous faire une annonce pour dimanche 21, donc dimanche là, vite. Est-ce que vous avez acheté vos billets? Est-ce que vous avez pris de la thune? Est-ce que vous avez pris, je sais pas moi, ce que vous voulez? Parce quoi? Parce que c'est Paris Manga à Paris. Pour que les gens, ils me demandent pas, mais où est Paris? Paris Manga, c'est à Paris. Donc je vais à Paris Manga. Je me suis battue corps et âme pour avoir ma journée et je l'ai eu à coup de peau. J'ai eu ma journée donc dimanche, juste dimanche, je ne viens pas samedi, malheureusement. Donc je serai en Miku Karume comme la vidéo que je vous ai fait précédemment. Voilà. Donc si vous y allez, n'hésitez pas à me laisser un commentaire me disant que vous y allez le dimanche, ça me ferait énormément plaisir que je puisse vous rencontrer. Je serais trop pressée. Comme à chaque convention, n'hésitez pas à venir me voir. Si vous me voyez, n'ayez pas peur de moi. C'est pas parce que j'aurai des trucs d'insectes, des pattes et tout, que je ressemblerai à une araignée, qu'il ne faudra pas venir me voir. Si vous voyez une araignée au loin, c'est bébé. Si tu ne vois pas d'araignée au loin, c'est pas bébé. Je serai là à partir de l'heure où ça ouvre, en fait. Je sais même plus à quelle heure ça ouvre. Donc, je resterai peut-être pas jusqu'à la fin parce que je travaille le lendemain et du coup, voilà. Paris Manga, pour les gens qui savent pas ce que c'est une convention à Paris, porte de Versailles, Hall 7, je crois. On s'en fout. Et en fait, on regroupe toutes les personnes qui sont passionnées de culture jap, qui aiment le cosplay, qui aiment tout ça. La billetterie est déjà ouverte depuis. On sortit un nouveau type de billet où vous pouvez avoir un badge. C'est pas terrible, mais bon, c'est pas grave, c'est mieux que rien. C'est un ticket qui s'appelle le billet cosplayer. Si vous êtes cosplayé en un personnage, eh bien n'hésitez pas à prendre ce ticket et aller récupérer votre badge sur le stand qui est marqué sur la fiche. Moi je connais plus le nom. Si vous n'êtes pas cosplayer, vous ne pouvez malheureusement pas acheter le billet et vous serez redirigé vers la file normale. Et bah, à ce qui paraît, ça, y a une sanction et tout. Enfin, attention à vous. Venez, venez à moi, mes chers abonnés. Venez. Bien sûr, pour les personnes qui n'ont pas pu venir en convention, ne vous inquiétez pas, pour profiter de la convention en entière, je vous proposerai une petite vidéo, donc un vlog de la convention pour que vous puissiez voir tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai acheté et les personnes que j'ai rencontrées éventuellement. Donc voilà, vidéo pouvait être rapide, mais j'ai pas le choix parce que je sais pas quoi dire à part... Je suis trop contente de pouvoir venir en convention. Donc voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Et je vous aime très 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 fort. Je sais qu'en ce moment, je suis pas active. Je sais. Ne criez pas dessus. Donc voilà, je reçois vos messages sur MSP, etc. Je les regarde encore, je suis encore sur MSP. Mais surtout sur TikTok, voilà. Bref, je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à la prochaine. Et surtout, j'espère que je vous vois dimanche. Pour les personnes que je vois dimanche, je vous dis à dimanche, cherchez-moi, vous me trouverez de toute façon. Gros bisous à tous!